Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est LessonTrueCraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus, ça ferait extrêmement plaisir. Merci les 5 abonnés, ça me fait, c'est vraiment super vous. Merci de me soutenir et bienvenue dans la team Centro. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette survie. Dans le dernier épisode, nous n'avons rien fait à part découvrir ce joli petit village, notre petite base. Qui est ici pour l'instant, on avait découvert une pyramide et on avait failli mourir de faim. Car, et aujourd'hui donc, nous allons essayer, oula, je lag, de régler ce petit problème. Et oui, tout simplement, nous allons nous chercher à manger quand c'est l'agriculture. Mais aussi, eh bien, passer à l'âge de fer, parce que on a regardé ce qu'on est en train de cuire. Donc voilà, aujourd'hui on va surtout se chercher à manger, parce que ça va pas le faire, parce que la dernière fois, on a failli mourir de faim. Et donc voilà, et pour ce qui concerne ma base, il y a eu beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo, mais aucune qui me disait où je ferais ma base, donc j'ai décidé que je m'en créerai. Pour l'instant, c'est ma petite base, voilà, tranquille, mais je vais me faire tout un, enfin, pas les non plus, mais une grosse maison ici, ou quelque part, j'ai des idées dans la tête, et donc... Je ferai ça dans les prochains épisodes. Et ça sera mon premier objectif à atteindre sur cette série. Donc, on va se faire un petit peu de pain, parce que ça fait plaisir. Un petit peu de pain. On va pas tout prendre, parce que ça, je trouve que ça gâche la beauté du décor. Et on va aller se chercher des animaux. Surtout des vaches pises. Bon, c'est ma tête d'argent. Non, j'en vois. Elle revenait pas encore là. C'est moi qui vous le garantis. Touk, touk. Parfait. Et ça sera pour les vaches. Parce qu'on va essayer d'appâter les vaches. On va aller se prendre du bois aussi. D'ailleurs. Touk. Ah bah oui, mais je... Ah si, on a encore un peu de bois. Mais on a des pousses. Non, on va juste aller se chercher à manger du coup. Tac. Ah, voilà. Ah bah c'est bon, j'ai des bâtons en fait. On va se faire une petite épée, ça fait fort plaisir. Et voilà, on est prêt à aller. On va se vider un peu le stuff. Touk, 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 touk. On va se vider ça. Tac, tac. Voilà, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc, dès qu'on aura rameuté les animaux, on va aller vider. Parce qu'on ne peut pas trouver du diamant pour le deuxième épisode, c'est un peu beaucoup. Mais commencer un élevage et peut-être aller rechercher du fer. Et oui, parce que si vous n'avez pas vu mon dernier épisode, dont la qualité était vraiment très très horrible, j'ai failli en faire une prise comme ça. Quand j'ai vu ça, non, quand même pas, mais... nous avions trouvé cette magnifique petite crevasse qui renferme bien des secrets, je le sens. Ouais, ça se sent d'ici, une petite... ça picote le nez. Bon, ça... On a des lapins ici, mais moi je touche pas les lapins, ils sont trop mignons, ouais, pour ça. On ne touche pas les lapins, ceux qui touchent les lapins, je les zigouille avec ma petite épée en fer. Ouais. Donc bref, on va essayer de se trouver à manger. Ok, nous avons des moutons là. Il va falloir qu'on commence un élevage. Parce que... Ah oui, voilà. Si j'ai une drôle de voix, c'est... Enfin, une drôle de voix. Je suis enrhumé, donc ne m'en voulez pas. On va pas partir trop loin, parce que... Ah, bah, des poules. Il y a pas ici, KFC. Voilà. Les premiers nuggets de cette saison. Là. Donc là. Ah. On a des vaches ici. C'est le paradis, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, on va pouvoir se faire un petit peu à manger. On va faire un élevage de vaches. Hein. Un élevage de vaches. Oh, presque partout. Il y a là, toi. Je vais rien te faire, t'en fais pas. Juste le coup, te manger. Allez, bacon. Oh. Les premiers bacon de cette saison. Alors, combien on a à manger? 6 et 3. Le bouton aussi. Ah, mais tiens, je viens d'y penser, grosse erreur. J'ai pas prévu d'enclos pour les bestioles.
Bon bah c'est pas grave, on va les rameuter et après. On les rameutera. On essayera un truc, on va essayer. Ah par contre on a qu'une vache. Alors on en a deux, parfait. Ouf. Par contre pour les ramener là-haut ça va prendre un petit bout de temps. Donc je vais faire ça en off, je pense, oui c'est même sûr. Et je vous dis à tout de suite quand j'aurai rameuté les vaches. Et donc me revoilà, après 5 bonnes grosses minutes, j'ai réussi à ramener à rameuter la petite troupe avec quelques moutons. Où ils ont un petit enclos mais... Oula, désolé. Mais on va en faire très vite hein. Attends. Comment on fait Ah non mais là c'est... Oula, qu'est-ce qui se passe là-haut? Oh, vous allez vous calmer, les villageois. Donc bah, on va passer notre première nuit à tabasser des monstres parce que j'ai plein d'XP hein. Même très besoin. Donc, c'est une petite nuit très agitée mais je pense que vous aimerez ça. Alors c'est tout de suite parti. On va défendre ces villageois. D'ailleurs il y a que y a aucun villageois. Bien sûr je pars pas la boule, il y a ceux que j'ai enfermé mais pas quitté le enfin c'est quitté le bureau mais c'est bon, il y en a pas d'autres. Ils peuvent pas dispawn. Ils vont rester là. Ah on avait déjà vu. Oh bah un petit peu de blé pour se faire du pain mais on va garder ça pour les bêtes. Il y a pas d'animaux. Il y a pas de... Non mais comment tu t'en fous? Je suis pas encore... du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a aucun monstre. Eh sérieux, on est dans le désert, c'est le... sans doute le biome où il y a le plus de mobs. Là, il y a rien. Ah oui, parce que c'est normal. Attendez, je vais vérifier quand même. Difficulté normale. Rien dire, la difficulté normale. Maladroit comme je suis, je sens que je vais tomber là-dedans. Donc, il n'y a pas un monstre. C'est le 1.14 qui bug ou c'est ça se passe comment là? Dans le désert, c'est censé être le bio où il y a le plus de mobs. Hostile. Hein. Il n'y a rien. Ah bah ça, c'est pas super super. Ah non, bah ça non. Je vous rappelle, j'avais entendu. J'avais entamé une survie en 1.13 en une nuit j'avais gagné 8 d'XP comment vous expliquer ça, j'avais gagné j'étais passé level 8 voilà enfin j'avais gagné 8 levels d'un donc je trouve mes mots moi parce que dans le désert c'est censé être un endroit où il y a le plus de mobs et il n'y a rien. Est-ce que j'ai pas gardé les... Est-ce que c'est parce que je débute mon aventure, c'est la troisième nuit ou la deuxième qu'on passe et du coup il y a pas de mob, je sais pas, mais je suis très déçu. Il y a aucun mob. Bon, en même temps on est près d'un village donc ils peuvent pas se prendre là, mais à partir d'ici il devrait y avoir des mobs partout. Mais bon, tant pis. On va aller se coucher nous alors. Et on ira libérer ces pauvres villageois. En tant que même pas en fait. Et demain nous allons miner, je pense, même c'est pas je pense, je suis sûr. On va se faire cuire un petit peu de nourriture parce que on ira miner. Et on va se faire un autre four. Là, ça va pas. Tac, on va avoir besoin de ça. Tac, et tac, et tac, c'est tac, tac, arrêtez. Ah, mais tiens, en fait, fumoir, comment on fait un fumoir? Ah, ça m'intéresserait ça, le fumoir et
Ah, on peut se faire la rue. Non, mais pas tout de suite. Fumoir et... Ah, l'autre, là, le... Le truc pour faire cuire plus vite les... Tant pis. Alors, le fumoir... Ah, ah, on a presque une nouvelle. Ça, c'est pas cool. Ah, parce que je serais bien tenté de me faire un fumoir. Mais bon, tant pis. On disait qu'on allait faire un autre en eau. J'ai oublié. Tac. Donc là. Tac, tac, tac. Et on va se faire une pioche en fer, tout simplement. Mesdames et messieurs, c'est très important, les pioches en fer. Ouais, quand même, deuxième épisode, on n'a pas le mal de fer. Et encore, on n'a même pas exploré la crevasse en elle-même. Donc on va lâcher un petit peu. Ah, j'avais oublié qu'on avait du bacon. Bon. Ah ouais, par contre, le charbon, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Nope. Alors ça. Est-ce que vous pensez qu'on va tenir avec 13 de pain? Oui, ça doit aller. Nope, là. On a le seau d'eau, très important. Ah oui, non, mais ça, c'est pour nous sauver la vie. On va essayer de pas mourir parce que... Ça serait un petit peu bête. Et voilà, l'établi, on va se prendre un peu de bois. Un peu de bois. Je sais pas, on aura assez, on se prend quelques bâtons. Voilà. Tac. Mince, on va cuire le nugget. Hop là. Et c'est parti, nous partons en exploration. Enfin, en exploration, en minage. Personnellement, j'aime pas trop le minage, voilà. À la longue, c'est chiant, donc je pense que je ferai beaucoup de minage en off. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, justement, si vous préférez que je fasse du minage en off ou en on. Et donc voilà. Voici une autre. Il faudrait qu'on se fasse un petit. Oula! Un petit chemin. Mieux que ça. Attends, d'ailleurs, pour aller dans les options, prends une petite seconde, où est-ce que c'est? Éclairage adouci, luminosité vive, plein écran, particules. Ah! Comment on fait? Non, parce que j'ai. Je regarde, je vais pas vous le cacher, je regarde des vidéos de gens qui font de la survie. Et ils voient dans les cavernes, ils ont de l'interface synchro verticale, bon, je sais pas. Ils arrivent à. Voilà, comme ça peut-être. Oula, oula, oula. Non. Surtout pas. Ah bah, un peu de charbon. En fait, n'ont pas besoin de torches parce qu'ils voient comme en plein jour dans les grottes. Ça n'empêche pas les monstres de spawn, mais c'est pratique. T'es pas obligé de faire de torches parce que là, c'est. Ouh, doit du fer. En fait. Là, c'est un petit peu. On va pas se le cacher, c'est un petit peu. Être un petit peu embêtant de poser des torches par-ci par-là. Faut vraiment que je regarde si il y a là, Non, bah, je sais pas. Je sais pas. Son graphique. Ah, niveau des fondus de biome. Un écran. Niveau des détails 4. Non, bah, vous savez quoi pour le prochain village qu'on fera? Je vais tâcher de voir parce que là, c'est vraiment bulle, mais je trouve pas. Donc, tout de suite, on va se faire quelques petites torches. Ça fait extrêmement plaisir. On va essayer de descendre à fond. Oubl. Tac. Touc. Et voilà. N'y a pas un mob. Bon, bah, on va en profiter. Ah non, là ça monte. Nous on veut pas monter, on veut descendre. On va essayer, on va ramasser un petit peu de fer. Pour peut-être se crafter déjà une armure en fer, ça serait pas mal. Mais moi j'aimerais des. Ça serait bien si on trouvait déjà du diamant, ce qui est impossible. Sauf si on tombe dans une belle cavité. Mais j'ai jamais cette chance là. Moi j'ai pas la chance du mineur. Là. Tac. Tac. Y'a rien.
Ah oui, il faudrait vraiment que je regarde. Là, on a quelque chose ou pas? Je sais qu'on y est déjà allé, mais on peut le faire. On va pas se casser une jambe pour ça. Pourtant, vous avez. Il n'y a pas un moment. Et pourtant, vous avez bien vu. On est en luminosité. En mode normal. Non. Donc là, on n'a rien. Pas un mob. Quand j'ai fait pour remonter un XP, moi. 7, c'est pas mal, mais. C'est pas assez, jamais. Je suis enrhumé là, ma voix, elle va pas être bizarre. Désolé. Hein. Manger un petit peu. Non, c'est pas le but pour moi. On va essayer de monter. Moi je veux descendre en fait, mais. Ah! Voilà. Faudrait que je regarde. C'est vrai que pour l'instant là. Oh non, pas se cacher. Et pas très stable. Pas grand chose, mais bon, je voulais pas faire un petit environnement. Par contre, je me rends compte qu'il n'y a rien du tout dans cette dans ce trou. Va falloir qu'on descende de nous. Ça descend un peu. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Tac. 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 Où est-ce que nous allons descendre? Je vais pas descendre comme ça sous mes pieds parce que bah, si en fait parce que en fait si vous voyez je vais, si je comme le capitaine je vais pas avoir, je n'ai pas encore le réflexe de mettre tout ce que je veux faire venir plus sécurisé descendre descendre ah c'est vraiment dommage pour mes couches combien en fait? Oula. 4. Ouh, de la terre ça. J'ai pas fait de pelle, mais en même temps ça sert tellement à rien les pelles. Bon, comment on va faire pour remonter? Ah! On a trouvé une sorte de cavité. Pas de mob. Oh eh bien, deuxième épisode, les amis. Nous avons déjà un petit peu de redstone. C'était extrêmement plaisir, d'ailleurs. Et on les couche. 13. Le diamant, je sais plus, ça en couche comment. Mais bon. C'est un peu exagéré sans mob. Je regardez encore. Difficulté normale, donc. On n'entend pas un mob, alors que là ça devrait être rempli de creepers et tout. Ouh, elle est belle cette cavité quand même. Tu sais quoi, on va laisser les torches pour éviter les monstres de spawn. Bah oui, parce que. Du coup on en profite, hein, je suis pas le genre d'homme à ne pas profiter de cette occasion unie. Qui ne veut pas avoir de mob. Voilà. Garde le seau d'eau. Ah, à bas de l'or. Purée. Oh. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Nous sommes qu'à l'épisode 2. Nous avons déjà du de la redstone, du lapis. Il y a peut-être du diams. Non, pas de diams. Y'a pas de monstre ça. Ah bah désolé pour vous si vous voulez lier de l'action, je sais vraiment pas ce que c'est, mais bah, c'est bien, on pourrait se faire déjà une forme à pommes dorées. Enfin pommes et après on pourrait se faire des pommes dorées, c'est pas mal ça. Enfin, un petit peu de charbon parce que on va pas se le cacher, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup là ça s'enfonce. Ouf, j'espère qu'on va pas se perdre. Hein. Ah non parce que. Ouf, de l'opsy, bah, c'est pas avec ça qu'on va avoir quelque chose. Mais cette cavité, on y reviendra. Hein. Ça, je vous promets.
De l'autre côté, c'est bien que je laisse des torches comme ça. Je suis sûr de pas me perdre. Pour l'instant, la pile ne va pas nous servir, mais après, ça servira pour plus tard. Pas un mob. Mais c'est. Est-ce que je suis en train. Le serveur il bug ou quoi? Ou c'est vraiment comme ça la snapshot de l'autre côté? D'ailleurs, il y a de nouvelles snapshots qui sont sorties. Il y a le trader et tout. Mais moi, en fait, je ne mets pas à jour ça parce que déjà mon ordi ne supporterait pas et mes modes risquent d'être corrompus. Après, il y en a qui. Il y a des youtubeurs qui font de la survie qui. Un truc spécial, voilà, je vais pas tout vous expliquer et moi je l'ai aussi mais je l'active pas parce que ça te met automatiquement à jour tes mondes et tout selon les nouvelles snapshots mais moi je le fais pas trop. Attends, j'ai plus qu'à 3 de torches là, y'a rien et ma pioche est bientôt fichue. Bon, j'espère qu'on va pas se perdre hein. Que je vais pas me perdre, ce qui est fort probable, maintenant, parce que une fois je me suis déjà perdu et je vous jure que c'est pas super super bien. Donc là, pas de diams en vue, pas de diams. Et par où on est remonté? On est passé par là, voilà. Ouf, un stack de charbon, pas mal. Ah bah là je suis assez fier de moi. On laissera les torches là. C'est par là que je suis passé. Ah ouais. Ouh. Si là il n'y a pas de diamant, mesdames et messieurs, ça serait quand même un petit peu foufou de. Eh bien, dès le deuxième épisode d'avoir du diamant, mais une putain de dessin de qualité alors. Je sais jamais. Par contre, on va se refaire des torches. Mais je suis surtout pas tombé. Faire autre. Faut qu'on bouche. On bouche l'arrivée de là. Ah! Voilà. Regardez ce qui arrive, mesdames et messieurs. Je vais galérer, je le sens. Oula, oula, oula. Calmos, calmos. Ah, par contre, on a plus d'eau. Ah, c'est moyen. Non, mon seau d'eau. C'est très, très important, les seaux d'eau. On va pas se mentir. Voilà. Comment on va faire pour passer, mesdames et messieurs? Non, creuser, non, même pas. Nous allons passer simplement par là, sans tomber. Faire gaffe. Ah mais non, mais je stresse. Hein. Mourir dans la lave en pleine vidéo. Non, pas du tout. Ouais, je suis un petit peu heureux, hein, mais j'aime pas. Je vous dis, j'aime pas du tout l'idée. Ouh, mais qu'est-ce que nous avons là? On a pas mal d'opsies, hein. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Mais j'arrive pas à y croire. Mesdames et messieurs, vous y croyez vous ou pas? Deuxième épisode, regardez-moi déjà ce qu'on a. C'est très bien. Mais là, on va éviter que ça spawn ici. Même si je peux pas éviter. Forcément du jams. Mais si j'arrive ici. Ah, ça serait bien que. Mais bon, franchement, je sais pas combien de fois je vais le répéter. N'hésitez pas à me dire si c'est énervant ou pas. Mais on est quand même que deuxième épisode. C'est un peu abusé parce que déjà. Diam, c'est haut. Mais bon. Donc. Je crois que je suis blagué, je sais pas.
Mettez-le moi en commentaire, mais je crois bien que c'est la gueule. Non, pas un saut de lave, pas un saut de lave. Mais non! Pas un saut de lave! Mais qu'est-ce que j'en ai à faire dans ce saut de lave? Ah voilà! On va trouver du diamant. Petit diamant! Viens par ici! Je crois que la vidéo elle... Oh, mesdames et messieurs, c'est inouï, c'est inouï. Nous avons trouvé du diamant. Alors, comme je l'ai déjà vu, un diamant. Ouais, bon, c'est déjà pas mal pour... pour ce premier épisode, mais pas se le cacher, c'est pas top top. Mais bon, voilà, on a trouvé notre premier diamant, c'est déjà pas mal du tout. Et pour ma part, c'est la fin de cet épisode, malheureusement. J'espère que qu'il vous a plu. Je suis assez content de cet épisode qui est le deuxième. On a trouvé 17 de fer, 5 d'or, 44 de lapis, 26 de redstone et un stack de charbon. C'est déjà pas mal, c'est pas mal du tout même. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce qu'on fera, voilà. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement, il y a la chamax de pouce bleu, bien évidemment. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt.